Bien, le groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat a décidé de déposer une proposition de loi pour encadrer l'activité des plateformes de location de courte durée, autrement dit l'activité de plateformes comme Airbnb, pour plusieurs raisons. Et j'ai pris l'initiative de cette proposition de loi en travaillant étroitement avec Yann Brossat, qui est à mes côtés et qui, à Paris, comme maire adjoint, a déjà beaucoup travaillé sur cette question. Notre souci est le suivant. Il y a un énorme problème de demande de logement dans les centres-villes, dans les zones tendues, dans les métropoles, et l'activité de ces plateformes soustrait progressivement au marché locatif un très grand nombre de logements. Et dans certaines zones, mais Yann en dira, je pense, il y aura des choses plus précises sur ça, c'est très visible à Paris ou dans certaines zones, la proportion atteinte par les logements soustraits au marché locatif est devenue vraiment alarmante compte tenu des besoins de logement des Parisiens et des Franciliens. Ce phénomène n'est pas seulement un phénomène parisien, c'est un phénomène qui concerne toutes les grandes zones métropolitaines en France, en Europe, dans le monde. Et la situation dans le pays ne nous paraît pas satisfaisante. D'autant que ces plateformes, qui réalisent des profits importants, ne respectent pas toujours la réglementation en vigueur et par ailleurs s'occupent activement de faire échapper à l'impôt une grande partie de leurs bénéfices, en logeant leurs sièges sociaux dans des pays, notamment l'Irlande, qui ont des taux d'imposition extrêmement bas. Donc nous voulons à la fois encadrer l'activité de ces plateformes et faire contribuer ces plateformes en récupérant une partie de la valeur créée par ce marché pour le développement de la construction de logements utiles à l'ensemble des Parisiens. Donc les mesures qui figurent dans la proposition de loi que nous déposons visent à renforcer les sanctions à l'encontre des plateformes ou de certains multipropriétaires qui font un certain nombre, qui en fait font industrie un peu de ce marché et pas seulement. Donc nous ne visons pas les propriétaires individuels, mais nous visons ou les multipropriétaires et les plateformes. Donc renforcement des sanctions quand ils ne respectent pas la réglementation en vigueur, l'enregistrement de cette déclaration. Nous proposons par ailleurs d'élargir le périmètre, la taille des villes qui sont concernées par ça. Aujourd'hui, seules les villes de plus de 200 000 habitants, dans ces villes-là, l'enregistrement, la déclaration est obligatoire. Nous abaissons ce seuil dans la proposition aux villes de 100 000 habitants, de manière à élargir les zones tendues concernées. Nous limitons le nombre de nuitées par an qui peuvent être ouvertes à la location. Nous sommes à Paris, nous sommes dans la fourchette haute de tout ce qui existe au plan international, avec 120 nuitées par an, c'est beaucoup et beaucoup trop. Donc nous proposons d'abaisser ce seuil à 90 nuitées. Et puis enfin, nous créons une taxe sur le chiffre d'affaires des plateformes, avec une originalité, c'est le reversement de cette taxe, du produit de cette taxe, au Fonds national d'aide à la pierre, c'est-à-dire au financement de logements utiles aux Parisiens et aux Franciliens. Voilà l'esprit de cette proposition qui tombe à point nommé parce que le débat est très important dans l'ensemble des zones métropolitaines concernées, pas seulement Paris. Et puis nous entrons dans un débat important autour des questions du logement avec le projet de loi gouvernemental. Donc nous allons demander l'inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour du Sénat, et si ce n'est pas le cas, nous utiliserons au printemps ou à l'automne, en tout cas le plus vite possible, une niche parlementaire pour mettre en débat cette proposition de loi. Mais nous allons, à partir du dépôt de cette prochaine proposition de loi, fédérer le maximum de forces autour de ces propositions pour la faire adopter, pour faire adopter les mesures qu'elles contiennent le plus vite possible. Peut-être quelques mots pour abonder dans le sens de ce que vient de dire
Pierre-Laurent. D'abord, je suis très heureux que les sénateurs communistes déposent cette proposition de loi. Paris est de ce point de vue une ville qui est confrontée depuis maintenant plusieurs années au développement exponentiel de ses locations touristiques. Une fois de plus, notre cible n'est évidemment pas les propriétaires qui louent de manière occasionnelle, mais des propriétaires qui de plus en plus font une industrie de ce commerce-là et achètent parfois des immeubles entiers pour les transformer en hôtels clandestins. D'ailleurs, la ville de Paris a déjà mis en place toute une série de mesures visant à encadrer ces locations touristiques. Nous avons créé d'ailleurs une brigade de contrôle avec maintenant 25 agents. Ce sera bientôt 30 agents qui sont chargés de vérifier que les règles sont bien appliquées et que la durée de 120 jours n'est pas dépassée. Nous avons aussi, depuis le 1er décembre, mis en place un numéro d'enregistrement qui fait que toute personne qui veut louer son logement sur une plateforme est obligée de s'inscrire et d'avoir ce numéro d'enregistrement. Ce sur quoi nous butons, et c'est la raison pour laquelle cette proposition de loi est, je trouve, très bienvenue, c'est la responsabilisation des plateformes. Jusqu'à présent, on responsabilise essentiellement les propriétaires. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en 2017, il y a eu 1 300 000 euros d'amendes qui ont été prononcées à l'encontre de propriétaires qui louaient leur logement de manière illégale. En revanche, les plateformes qui hébergent des annonces illégales bénéficient aujourd'hui d'une impunité totale. Et comme élu et comme maire adjoint de Paris, je crois que c'est la première fois que j'ai été confronté à une entreprise, en l'occurrence Airbnb, qui assume le fait de ne pas respecter la loi et qui nous dit qu'elle ne respectera pas la loi. Parce que de ce point de vue-là, la loi République numérique était claire. Elle disait que les plateformes sont tenues, par exemple, de retirer les annonces présentes au-delà de 120 jours, de retirer les annonces qui n'ont pas de numéro d'enregistrement. Depuis le 1er décembre, Airbnb a systématiquement refusé de le faire. Et donc, cette proposition de loi est utile parce qu'elle prévoit justement des sanctions pour les plateformes qui ne respectent pas les règles. La loi, elle doit évidemment s'appliquer partout, et ce n'est pas parce qu'on a affaire à une multinationale américaine qu'elle peut se prévaloir d'une forme d'impunité ou en tout cas ne pas respecter la législation nationale, d'autant qu'y compris aux États-Unis, il y a des règles qui sont au moins aussi drastiques qu'en France et Airbnb les respecte aux États-Unis. Donc il n'y a pas de raison qu'en France, Airbnb puisse complètement passer par-dessus. C'est la raison pour laquelle je trouve que si cette proposition de loi était adoptée, ça nous permettrait d'avancer grandement dans la régulation de ce marché. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les sanctions, sur la nature des sanctions que vous comptez proposer? Oui, ce sont pour une part des sanctions financières, l'augmentation des sanctions financières qui existent déjà, hein, si le numéro d'enregistrement C'est le est décret qui est contourné. pas appliqué, c'est ça? Oui, actuellement, il y a dans la loi des sanctions qui existent si la loi n'est pas appliquée. Mais manifestement, puisque nous sommes confrontés à des entreprises et à des plateformes qui considèrent que l'impunité l'aurait dû, eh bien, il faut renforcer ces sanctions. Donc, nous renforçons dans un des articles les sanctions financières de manière importante pour rendre dissuasives ces sanctions. Il y a bien deux choses. Il y a d'une part les sanctions pour les propriétaires qui louent illégalement. Aujourd'hui, c'est 50 000 euros d'amende maximum par appartement loué illégalement. Et donc là, on propose de le rehausser à 100 000. Et d'autre part, il est effectivement nécessaire de sanctionner les plateformes qui ne font pas leur travail et qui ne retirent pas les annonces illégales. Et c'est ce que propose un autre article de cette proposition. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour ce qui est des sanctions vers les propriétaires, vous n'avez pas de problème à les appliquer aujourd'hui. En Effectivement. revanche, pour ce qui est des sanctions envers Airbnb, il y a ce décret. Qui n'est jamais paru. D'accord. Exactement. Pour ce qui est des premières, elles sont appliquées, sauf que nous considérons que 50 000 euros peut être trop peu dissuasif. Et surtout, ce que nous proposons, c'est que les sanctions soient exponentielles en fonction du nombre de logements dont la personne est propriétaire. Donc on propose de passer de 50 à 100.
D'ailleurs, il y a beaucoup de propriétaires qui louent de manière de bonne foi, je dirais, voilà, sans chercher. C'est vrai que quand les mesures ont été prises par la ville de Paris, une partie de cela, on a commencé à se régulariser. Mais par contre, on voit bien que certains, et notamment parmi ceux qui cherchent à faire un peu l'industrie, ce commerce, là, il y a des tentatives de contourner la législation actuelle. Donc là, il faut être plus net et plus ferme. C'est le sens de la proposition de loi que... On a cherché en plus à faire une proposition de loi qui ne soit pas compliquée, qui soit simple à appliquer, claire dans son entendement, et qui comporte un certain nombre de mesures limitées mais efficaces. Et je pense que ce sont des mesures qui peuvent recevoir le soutien au Parlement de sénateurs venus de familles politiques différentes, parce que ce problème-là, je le répète, se pose à Paris, mais dans la plupart des grandes villes, le phénomène se développe. Okay. Et on a vu récemment à Amsterdam, qui pour le coup a un nombre d'unités par an bien inférieur à Paris, je crois que c'est 60, et qui veulent arriver à 30 justement aujourd'hui, que ça n'avait pas enrayé les séjours Airbnb. Au contraire, en 2007, ils ont augmenté de 25%. Est-ce que vous pensez que ça pourrait... Enfin, est-ce que vous avez peur que ça se produise également à Paris ? Le constat que nous faisons, nous, à Paris, c'est que depuis septembre, depuis que nous avons resserré un certain nombre de règles, le nombre d'annonces sur Airbnb a baissé de 11%. Ce que réfute Airbnb, du coup. Tout à fait. Enfin, pas très surprenant. Nous avons mis en place à Paris un logiciel de scrapping qui nous permet d'avoir des chiffres réels et de ne pas dépendre d'Airbnb pour avoir des chiffres. Ce que nous constatons, c'est effectivement une baisse de 11%. Et d'ailleurs... Entre quand et quand, juste pour... Entre septembre et fin décembre. Mais surtout, parce que ça, ce sont des chiffres qui émanent de la ville de Paris, on pourrait nous dire qu'on est partie prenante, mais en tout cas, je note que beaucoup d'agences spécialisées dans la location meublée, je pense notamment à une étude qui a été faite par Logis, disent elles-mêmes que beaucoup de propriétaires qui, de bonne ou de mauvaise foi, ne respectaient pas les règles, se régularisent désormais et remettent leur logement en location traditionnelle meublée, avec des baux d'un an, ce qui est exactement ce que nous cherchons à faire.